des escapes, des bitches. Salut tout le monde, c'est Geto. Donc j'ai fait le trajet, je vous ai épargné le tutti quanti qui va avec parce que c'était vraiment 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 long. Je vous ai épargné tout ça. Donc là on va y aller, on va essayer de speeder un maximum parce que d'après mes souvenirs la grotte est quand même assez longue, donc je vais essayer de profiter un maximum de la monture. Parce que c'était vraiment casse-couille à monter pour faire cette quête là, faut monter par les montagnes rocheuses et tout le bordel, c'était horrible. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il est où mon padawan? Padawan? J'ai eu peur. J'ai dit, putain mon soigneur il s'est barré, j'étais en train de me dire putain. T'imagines même pas le stress que j'ai eu quoi. Enfin, j'ai vu que le chat il détectait pas forcément super bien en fait les mimiques du visage, donc je suis désolé. Mais bon. J'aime bien le chat. Ah. T'as bien une tête de Sith toi. T'es quoi, un acolyte, un apprenti, non, un truc comme ça? Je ressens votre pouvoir. Je comprends maintenant pourquoi Tarnis n'a pas pu vous vaincre. Je suis seul responsable de sa mort. J'aurais dû mieux l'entraîner. Vous êtes... Les autres Sith que j'ai combattus étaient tous envahis par la haine et l'arrogance. Chez vous, je ressens de l'amertume. Je suis issu d'une lignée de vrais Sith. Seules deux passions m'animent. L'intégrité et l'honneur. L'extinction des Jedi me ravit. Vous harcelez mon peuple depuis beaucoup trop longtemps. À mon coup, votre soif de vengeance causera la perte de cette galaxie. Convaincre par la force. Vous ne voulez pas que ce monde soit détruit. Aidez-moi à le sauver. Je ne veux pas que ce monde soit détruit. Je vais vous aider à le sauver. Maintenant, donnez-moi le code de désactivation du tambour. Ça marche! Je vais vous donner le code de désactivation du tambour. J'ai également d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Qu'est-ce que... Mais... Qu'avez-vous fait? Je vous aborde avec honneur, et vous, vous me piégez? Comment avez-vous osé? Ça n'avait rien passé, c'était pour éviter la violence. Les Jedi sauvent des vies dès qu'ils le peuvent. C'est ce que je faisais avec vous. Encore des mensonges! Mais vous ne m'aurez plus à ce jeu-là. Allez, il est temps d'en finir. Je vous souhaite une belle mort, Jedi. Allez, vampire. On va te calciner, là. Utiliser les arts Jedi contre toi, là. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. Ouais, t'as l'air bien chaud mon gars en fait. Quel talent! Quel pouvoir! Je suis impressionné! Vous pourriez être un grand Sith si vous rejoigniez le côté obscur. Et j'ai l'avatar qui bug en fait. La bouche elle reste verte. C'est peut-être déjà fait. C'est peut-être comme ça que je vous ai vaincu. Dans ce cas, ma défaite est moins dure à accepter. Dark Angral m'a ordonné de détruire le code du tambour. Il voulait vous voir mourir en subissant un échec. Oui, mais je l'ai volé. Quelles qu'en soient les conséquences. Je ne veux pas souiller mon honneur avec des coups bas.
Vous méritez mieux que ça. Voici le code. Vous avez bien agi. Regarde, l'avatar qui bug, là. Dark Angral a ordonné que Maître Kiwix souffre beaucoup avant de mourir. J'aurais dû désobéir aussi à cet ordre-là. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Maître Kiwix est toujours vivante, je la sauverai. Je l'ai laissée immobilisée non loin de votre arme. Si ce n'est déjà fait, les vibrations ultrasoniques finiront par la mettre en miettes. Espèce d'ordure! Vous méritez de subir le même sort! Il n'y a rien de plus à dire. Vous avez gagné notre duel. Achevez-moi. Vous servez peut-être l'Empire, mais je ne vous tuerai pas. Vous ne le méritez pas. Dans ce cas, mon honneur exige que je me livre moi-même à mon maître. Il fera ce que vous refusez de faire. Un Jedi se doit d'envisager toutes les possibilités. L'une d'elles vous permettrait de vivre tout en gardant votre honneur. Empruntez la voie du côté lumineux. Devenez un Jedi. Moi ? Un Jedi ? Ouais, toi, un Jedi. Impossible. Votre ordre ne m'accepterait jamais. Ah, si, le front. Les Jedi croient au pardon, pas à la haine. Accepter sereinement un ennemi juré en son sein ? Voilà ce que j'appelle de la force. J'accepte votre offre. Bien. Je suis trop blessé pour vous aider. Mais je me livrerai à vos compatriotes. Maintenant, allez vite sauver cette planète. Mais tu serais le nombre d'extraterrestres qu'il y a dans la... le temple Jedi, tu serais même pas étonné, j'ai envie de te dire. Donc, allô, communicateur, je vais répondre. Il y a quelqu'un ? Le site a modifié le code de désactivation du tambour, mais j'ai le nouveau code. Je vais au complexe. Comment, vous n'y êtes toujours pas ? Brick et sa famille sont en grand danger. Ils ont suivi leur droïde jusqu'au complexe minier. J'ai tenté de les en empêcher, mais ils voulaient absolument vous aider. Brick vient d'envoyer un holo-message d'urgence. Il dit qu'il y a un démon de sable dans la mine. Il les attaque. C'est un monstre ? Ces prédateurs sont les seules créatures qui chassent les dragons crêtes. Et ils sont énormes. Brick n'a pas l'ombre d'une chance. Mais qu'est-ce que tu me dis ? Ne laissez pas Brick et sa famille à la merci de ce monstre. Sauvez-les et arrêtez le tambour. Vite ! Ouais, ouais, bah attends, je viens de me taper avec un site et... Je viens de me taper avec un site juste à l'instant et en plus le site il nous a rejoint. Donc j'imagine même pas ce que je viens de faire. Là, je devrais être renommé pour ce que je viens de faire. Bon, pardon, petite interruption, je vais retourner, c'est que je vais rentrer. Brinks, il est où, Brinks? Ah, oh, Brinks, il est là-bas. Je sais pas où c'est là-bas. Ça doit être par ici. On va cliquer à l'avant-poste. Ah, j'ai reçu un déguisement dégueulasse au possible. Elle a récupéré mon ancien truc. Je préférais mon ancien, hein, parce que ça, espèce de machin là, de Lando Calrissian, c'est un peu dégueulasse. Hein. Comme ça, de Lando Calrissian. Est-ce que il y aurait pas un speeder proche? Station de véhicule ouverte. Ah bah si, regarde, l'antre du démon des... celle-là, c'est là qu'on doit aller. Bah oui, passez on y va. Excellent séjour. Avec cette tenue totalement horrible, hein.
Non, c'est pas comme si c'était super loin, je parie. Et encore, oh, moi je voulais faire le chemin à pied, t'imagines même pas le... D'ailleurs que ça aurait fait de faire le chemin à pied, ça. Bon, c'est bien, on a récupéré un petit site. Ah ouais, là on va marcher et tout. Ah là là là, c'est très loin. Ok, ça peut être très loin, effectivement. Ouais, je vais dans la mauvaise direction. Ok, autant pour moi. Merde. Putain, je me suis pagué là par un mec derrière. Un lézard. Ah ouais, mais là, on est en plein dans le désert, là. Ça pue du cul, ça. Ça c'est horrible ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah ouais, je m'attendais pas vraiment à être dans la pampasse, tu vois. Ah parce que là c'est clairement la pampasse de la pampasse. Hein. Genre si tu sais pas ce que c'est que la pampasse, bah viens ici, on va t'apprendre ce que c'est quoi, tu vois. Ouais, non, mais je t'ai pris en agro. Ah, bien sûr, t'as le désarçonnage. Bien évidemment, ça m'aurait étonné que t'aies pas le désarçonnage. Et quoi, j'ai envie de dire, ça aurait été étonnant que t'aies pas le désarçonnage d'une certaine manière. D'une certaine manière, ça aurait été très étonnant que tu n'aies pas le désarçonnage. Ah oh non, regarde, c'est de l'autre côté, faut monter. Putain, on peut pas monter en plus. Allez, allez. Ah ouais, j'ai cru qu'on pouvait pas monter. Logiquement, tu dois faire tout le tour pour y arriver, tu vois. Ah, moi je rentre avec la moto, je m'en fous. Ah putain, ma mission c'est quoi, de sauver des putains de Jawa? Salut les Jawa, ça va? Ça part? Oh, guardi, tu as pas de pas, non, les makashisa! Ultimo! Ou pancho, ou les pays qui potoka! Je ne sens plus la présence de Maître Kiwix. Ah bah, perturbation par la force, hein. Faites diversion. Avec ta famille, attire l'attention de ce monstre. Je le prendrai alors par surprise. Ça me semble être le meilleur moyen de faire tuer ces Jawa. Tu ne veux pas une récompense? Pense à toutes les pièces de récup. Elles seront à toi. Oh, je suis dégueulasse. Nous affronterons au démon des sables ensemble. Eh oui, bien sûr, Brink. Bien sûr. Il faut juste une diversion pour pouvoir le frapper. Tu seras cette diversion. Ok, ça c'est pour sortir. C'est par là qu'il est. Démon des sables, j'arrive. C'est ça le démon des sables? Non, c'est quand même pas ça le démon des sables. Très chic que ce soit ça. Ah, c'est une grosse émission du démon des sables qui est avec la... Ok, d'accord, c'est une progéniture du démon des sables. Un tiens.
Ok. Dans une prochaine tir du camion des sables. Ok. Parce qu'il est où ton démon des sables là, parce que... C'est bon, il est là-bas, je le vois. Je l'ai vu. J'ai vu où il était, bon, il est là-bas. Par contre, t'as l'air overshitté hein, quand même. Pas dire, mais t'as quand même l'air super overshitté. Hein. J'arrive les mecs, vous en faites pas, j'arrive. J'arrive les gars, vous inquiétez pas, j'arrive. Vous en faites pas les mecs. Vous faites pas, je suis là, je suis Jedi, je maîtrise la situation. Je maîtrise. Ouais, il est quand même ouvert bien sûr. Hein. Il est quand même over bien chaud. Ah voilà, je suis en train de regarder. À chaque fois que je regarde, je vois le truc qui bug. Je vais remettre l'ancien parce que lui il bug trop, je trouve. Oh oh oh. On l'a eu ou pas? On l'a eu. Il y a un blaster de. Sur pied. Ça marche pas. Ça marche pas, faut que j'utilise ça sur quoi là? Ah c'est de l'autre côté. Ok c'est de l'autre côté. C'est là. Ok, c'est pas là. Ça me tombe sur la gueule, mais c'est pas grave. Peut-être par là. Hop, 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 hop. Toi, t'es fini. Ah, j'ai plus de charge. J'ai plus de charge. Il est tout en bout, le tambour. Oh, putain. Ah putain de merde. C'est vraiment horrible là. Là c'est vraiment horrible. Là-bas, le tombeau, il est long, il est là-bas. Je vais être obligé de le faire. Trop compliqué de me le faire. Allez, Jean-Pierre, là. Tu vas tomber. Le tombeau, il est là. Ça va exploser, ça, c'est horrible. Comment qu'on... Ah, maître machin, comment on s'en sert? Attendez, attendez, j'ai la télécommande. Attendez, la télécommande, on va le couper. Voilà. Maître Balala Queen, là, lève-toi. J'ai coupé le tambour. Le silence, enfin. Ah ouais, non, mais j'avoue, parce que c'était horrible. Respirer. Je suis ici depuis si longtemps. Toi aussi? Du calme, maître. Laissez-nous vous aider. Kira et le padawan Dorgus, vous avez changé. Regarde, t'as vu là, ça bug. Qu'est-ce qui s'est passé? Reprenez-vous, voyons. Dark Angral veut détruire la République. Vous devez m'aider à l'en empêcher. Je ne suis pas en état d'affronter le Seigneur Sith.
J'ai survécu à cette arme en entrant dans une profonde transe. La force elle-même est devenue mon armure. Mais maintenir cette transe m'a vidé de mes forces. J'ai perdu beaucoup de ma puissance originelle. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Ah, enseigne-moi cette transe. J'ai besoin de pouvoir survivre à de telles conditions. Montrez-moi comment vous faites. Plus tard, quand je serai à même de t'accompagner sur le chemin de la transe. Je sais que tu as bravé de terribles dangers pour moi. Je ne l'oublie jamais. J'aimerais bien avoir une récompense, ça serait pas mal. Vous voilà. Je m'apprête à venir vous aider quand les capteurs ont indiqué que le tambour s'était arrêté. Vous avez réussi. Mais la pauvre famille de Brick. Je les ai vus dans la grotte. Qu'est-il arrivé? Je vous ai supplié de les protéger. Ouais, bah... Et vous les avez utilisés comme poudre à canon. Vous seriez tous morts si je n'avais pas été là. Ah ouais, voilà. Reconnaissez-le. Exactement. Je vous en prie. Ne laissons pas nos émotions prendre le dessus. Bridge. Bien évidemment. Je suis désolée. Nous devons d'abord écarter les dangers qui nous menacent. Bah, c'est rien, petit Joe, tu viendras plus fort comme ça. Même désactivé, cette arme constitue encore une menace. Tu connais la situation mieux que moi. Que devrions-nous faire? On a besoin de Nous parvenons à sortir cette arme d'ici, elle pourrait nous aider à vaincre l'Empire. Je suis sûr que le général Varsutra saura mettre le tambour à l'abri des Sith. Mais oui. Je vais devoir partir. Veux-tu venir avec moi? Je vais m'occuper du tambour. Tu devrais retourner à ton vaisseau pour informer le général Varsutra de ce qui s'est passé. Maître, vous avez subi une épreuve très éprouvante. Vous êtes sûr que ça va aller? Ouais, tu laisses seul, c'était peut-être pas la bonne idée, tu vois. Je suis toujours un Jedi. Avant de partir, je veux vous parler de quelque chose et je préfère que vous l'entendiez de ma bouche. Je ne vous ai jamais parlé de mon enfance. Ah. Je ne suis pas celle que vous croyez. Révélation. Révélation éclair. Je comprends désormais beaucoup de choses à ton sujet, Kira. Mais tu te trompes sur un point. Tu es exactement celle que je croyais. Une jeune femme forte et capable. Ouais. Un jour, ça la choque pas. Tu seras un grand Jedi. Pas tant que je donne mon aval. Si c'est ce que vous pensez, pourquoi ne pas finir son enseignement vous-même? Je ne peux rien lui apprendre dans mon état actuel. En outre, tu as encore besoin d'elle. Nous nous reverrons sur Titan. Que la force soit avec toi. Merci, maître Jedi. Alors, utiliser le holocron de notre vaisseau. Donc, on a terminé ici. Donc, on va se barrer. Je crois que c'est ici qu'il faut qu'on aille. Hop. On va se barrer de cette planète de merde. Plus la merde. Ah. C'est pas grave. On va juste retourner dans les vaisseaux là. Ah, regarde, il y a le bâtard qui a tendance à bugger là. L'avatar a tendance à bugger là. Fou, je me suis pris le mur. C'était violent. Bon, le délire, c'est d'utiliser. Là, qu'on termine, qu'on utilise. Parce que je sais très bien que je vais être couillé si j'utilise pas le vaisseau maintenant. Donc, je vais m'en servir maintenant. Donc c'est par là le stationport.
Le spatioport est par là. Il est où? Il est là, effectivement. Non. Effectivement, hop. Effectivement, là, le spatioport, il est là. On va retourner à bord du Tagada. Effectivement, là. On skip, là. Tatooine, ça a été très rapide. Hein. En fait, Tatooine, je crois que ça va être la plus rapide, mais la plus longue à faire. T'as quoi? T'as 3 missions et tu dois te balader pendant 3 heures. Ah, problème? Non, pas problème. Pas problème. Ça fonctionne, c'est correct, ça marche. Y a pas des soucis. Hey, y a pas des soucis là-dessous. Hein. Diego, Diego, ça marche bien. C'est pas les problèmes. Le problème, c'est que le chat il bogue. Le problème, c'est qu'elle est chaibog. J'ai pris la liberté de faire les poussières dans mon quartier. Oui, oui, fais les poussières et tout ça, on s'en fout. On va juste activer ça, comme ça on sera tranquille. Général, tout ce qui sera prêt. J'ai sécurisé votre prototype du tambour. Envoyez une équipe de récupération le chercher, ainsi que la sismologue Aren et Maître Kiwix. Excellente nouvelle. Je sais comment modifier le tambour pour en faire un appareil de bombardement aérien. Je vais immédiatement envoyer un vaisseau sur Tatooine. C'est bien ça. Mais ne vous emballez pas, docteur. Je viens de recevoir un rapport étrange d'un de mes croiseurs présents dans la zone. Un seigneur Sith au sang pur du nom de Praven s'est rendu. Il a mentionné votre nom. Vous avez quelque chose à me dire? C'était un des apprentis de Darkangral. Traitez-le bien. Il a rejoint notre côté. Je lui ai promis qu'on ne lui ferait pas de mal. Vous n'arrêtez pas de me surprendre. Je donnerai l'ordre à mes hommes de conduire le Sith auprès du Conseil Jedi. Il saura quoi faire. Espérant que votre mission sur Alderaan se déroulera aussi bien qu'ici. Terminé. Espérons-le, espérons-le. Bon, on va récupérer un sable laser, je parie, non? En général, quand tu termines une mission comme ça, t'as un sable laser, voilà. Qu'est-ce que j'ai disais? Toi, récupère les sables laser. Il est un peu pour lave, les sables laser, mais bon. Bon, ben voilà. On termine là-dessus, on se quitte là-dessus, puis je vous dis que la force soit avec vous.